La météo vous est présentée par pleinchamp.com. Hello Olivier, alors aujourd'hui je t'emmène en Pays de la Loire à la rencontre de David. Bonjour David. Bonjour. Alors vous, vous élevez des rouges des prés, parlez-moi un petit peu de votre exploitation. Oui, donc j'ai une exploitation de 100 hectares avec 75 vaches rouges des prés. Donc tout, je suis autonome en prairie, principalement tout en céréales. Les animaux consomment les céréales qui sont produites sur l'exploitation. Et ces vaches-là sont 8 mois de l'année. Sur les prairies à pâturer de l'herbe. Donc voilà, et en plus je suis en élevage AOP, Ménanjou. Donc c'est la viande qui est certifiée AOP pour les restaurants. Alors justement, vu que vous nous parlez de l'AOP Ménanjou, c'est quoi ses qualités gustatives, puisque là on est sur une race allaitante? Oui, alors donc du coup elle a une qualité de viande, une tendreté exceptionnelle, avec un goût et un persillé qu'on trouve rarement dans d'autres races. Le persillé de la viande qui est vraiment bien démarqué, quoi. Et voilà, ça donne toute la qualité de la race Ménanjou, quoi. Bon, alors épatante, on disait, c'est votre chouchoute, une bête de concours. Combien de fois elle a été primée déjà? Alors du coup, c'est son sixième salon qui a fait là cette année, là, en 2017. Et donc elle a déjà été 4 fois championne. Mmh. Voilà. Donc on espère cette année la 5e fois sur 6 salons, ça serait exceptionnel. Vous diriez que c'est une vache zéro défaut? Ah oui, zéro défaut, oui. Elle a toutes les qualités qui font qu'aucune vache dans la race rouge des prés, c'est impossible aujourd'hui. J'ai une dernière question, est-ce que vous savez le temps qu'il va faire chez vous demain en Pays de la Loire? Le temps, j'imagine qu'il va pleuvoir la nuit et puis qu'il va faire beau le jour. C'est ce que tous les agriculteurs veulent. Alors dimanche en Pays de la Loire, le parapluie sera de rigueur. Côté température, au minimum 6 au Mans et 11 à Nantes l'après-midi. En France maintenant, des averses traverseront le pays de part en part. Sur les reliefs des Alpes, il y aura de la neige dès 900 mètres d'altitude. Côté température, elles seront plus fraîches avec au minimum 4 à Lyon le matin et l'après-midi au maximum 15 à Marseille et 16 à Ajaccio. Au revoir David et merci. Eh bien, au revoir, merci à vous. Et à l'année prochaine pour de nouvelles rencontres dans la météo des régions. C'était la météo avec pleinchamp.com.